Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. Comme vous le savez, les Boston Bruins et les Blues de Saint-Louis sont à 2-2. Il faut dire que lors du dernier match, les Blues ont été vraiment dominants. Ça a été vraiment très impressionnant, très physique. Ils ont été pendant de longues minutes dans la zone des Boston Bruins qui ont été vraiment submergés. Et c'est vraiment en toute logique que O'Reilly, le meilleur joueur des siens cette nuit-là, et les Blues de Saint-Louis se sont imposés. En plus, du côté de Boston, l'infirmerie commence à se remplir. Kreslik, le défenseur, était déjà blessé. Et maintenant, Chara, on ne sait pas s'il va pouvoir jouer ou pas. Il s'est pris un palais en pleine face. Donc, c'est la question. Pour le match, justement, de cette nuit, il aura lieu à 2h du matin. C'est sur Canal+, comme vous avez pris l'habitude, ou sur le pass NHL. J'aurai une petite préférence pour Boston lors du match de cette nuit, parce qu'ils ont pris l'habitude de rebondir. Mais bon, de l'autre côté, on a aussi le vrai Phoenix, celui qui renaît de ses cendres. Après qu'ils aient été derniers en janvier de la Ligue, ils ont réussi à se qualifier. Là, ils sont arrivés en finale. Et en finale, à chaque fois qu'on les voit vraiment perdants sur un match, bim, ils renaissent. Et le match d'après, ils en claquent une. Donc, les Blues de Saint-Louis, c'est vraiment très impressionnant. Une série avec plein de suspense. Peut-être qu'ils vont même aller en 7 matchs. Malheureusement, à cause de mon boulot, je ne pourrai pas faire de vidéo avant fin juin. Donc pour le débrief de la finale, il faudra attendre 28 ou 29 juin. Dans tous les cas, vous pouvez continuer à me suivre sur Twitter, où je suis très actif, où je poste pas mal de petites vidéos qui pourraient vous intéresser, les vidéos débutent, mais aussi de ce qui se passe d'un peu insolite pendant les matchs. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Twitter. Il y a aussi un Discord que j'ai créé pour parler de NHL, si ça vous intéresse. Pareil, l'adresse est dans les commentaires. Alors n'hésitez pas là aussi à venir, et là c'est plutôt à vous d'agir, parce que c'est à vous de discuter si ça vous intéresse. J'ai fait des canaux pour chaque équipe, donc chacun pourra mettre son avis sur son équipe, et je suis sûr que les aficionados des autres équipes viendront parler avec vous justement de votre équipe ou des autres équipes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, là aussi c'est comme je vous l'ai dit dans les commentaires. Et on se verra, ou on s'entendra plutôt, peut-être le 21 juin. Le 21 juin, c'est la draft. Et dans le slot, le podcast qui parle de NHL, vraiment un super podcast, que je vous conseille là aussi de vous abonner, et ben m'a invité, alors donc peut-être que vous m'entendrez à ce moment-là. Donc dans le slot, le 21 juin, la fête de la musique, donc si vous avez une demi-heure, une heure, ils seront en direct sur Twitch, je crois. Donc n'hésitez pas là aussi à venir les rencontrer et peut-être m'entendre si vous tombez au moment où j'interviens. Dans tous les cas, on se revoit fin juin où je ferai le débrief de cette finale, le débrief aussi de la draft, mais aussi le débrief de toute la saison et je parlerai peut-être de la saison à venir. Ciao !